Ok, bonjour à tous, nous allons démarrer en commençant par faire l'appel. Donc, Belhassen Imran, présent. Benhamou Jérémy, présent. Boukris Fadwa, présente. Dada Shadé Maham, présente. Dardouri Soufiane, présent. Dumé Mélanie, présente. Fachin Enzo, présent. Fala Seklari, Amine, Armine, présente. Berton Guillaume, présent. Ensuite, Fumi Raphaël, présent. Gerbert Léa, présente. Grasser William, présent. Guetta Odelia, présent. Alors, mademoiselle, si vous avez une voisine, vous devez mettre dans la bulle de chat son nom de famille en majuscule suivi de son prénom. Et vous marquez est présente. Si par exemple, je ne sais pas moi, Osdez Marie, par exemple, elle est à côté de vous dans votre même ordinateur, dans votre bulle de chat, ici, vous écrivez Osdez Marie est présente avec moi, Guetta Odelia. Donc, je vous écoute si vous avez une voisine à côté de vous sur le même ordinateur. Par la bulle de chat. Ok, donc il n'y a personne qui est à côté de vous. Alors, Toumbak Chalva. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout le reste ne me concerne pas. Osdez Marie. Présente. C'est bon, je le vois. Dès que c'est fait correctement, je le vois directement, justement. Coelho Irina. Tout ce que moi je dis présent, c'est que je le vois en automatique. Et vous n'avez rien à faire. Donc, Coelho Irina, je la vois présente. Momeka Rifa est présente. Waknin Jérémy s'agrésit chez lui, mais il est présent quand même. Parolini Emma est présente. Ensuite, Schweitzer Lisa est présente. Sylvestre Chloé Macha est présente. Usan Yehuda Toumbak Chalva est présente à côté de sa collègue. Usan Yehuda est présent. Vonarb Roxane est présente. Wolf Fried Emma est présente. Donc il me reste, s'il vous plaît, Alexandre. Donc si vous avez des copains ou des copines qui sont avec vous, vous devez faire comme votre collègue Guetta. Donc j'attends des nouvelles de Alexandre Valentine. Alexandre Valentine, s'il vous plaît. Donc je note Alexandre Valentine absente. Ensuite, il me faut des nouvelles de Aydemir Younous. Aydemir Younous, est-ce qu'il travaille avec un voisin ou une voisine? Ok. Ensuite, il me reste Blanchet Janel. Blanchet Janel. Alexandre est présente avec moi, Coelho Irina. D'accord. Donc, Alexandre Valentine. Avec.
Edmir Younous, est-ce qu'il travaille avec un voisin ou une voisine? Blanchet Janel. Blanchet Janel. Dorai Chani, elle est avec toi, Waknin Jérémy, Dorai Chani. Ok, notez absente. Et Trandley Julien, s'il vous plaît. Trandley Julien est présent. Ok, d'accord, merci. Donc, Trandley Julien est noté présent. Voici. Non, mais ça veut rien dire avec moi, je ne sais même pas qui tu es. Pourquoi tu fais pas comme ça? Veut rien dire, jeune homme. Tu marques le nom de famille suivi du prénom, est avec moi, ton nom de famille et ton prénom, comme le fait ton collègue précédent ou ta collègue précédente. Donc, je ne peux rien noter. Il me reste Aïdmir Younous, Blanchet Janel et Dorai Chani, dont je n'ai aucune information. Dorai Chani. J'étais sûr. Ok. Donc c'est bien toi, Jérémy. Waknin Jérémy avec. Ok, très bien. Il me reste donc Aydemir et Blanchet. Oui, mais. Il faut juste que tu interviennes si jamais quand je dis Giovanna, quand je dis il me reste Aïdmir Younous et Blanchet Janel, tu te reconnais dans les deux? Tu te reconnais pas, donc tu interviens pour générer du bruit de fond? Allez, on va reprendre s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous des exercices sur les fonctions logarithme et les fonctions exponentielles. Bon, mademoiselle, si ça ne vous dérange pas, il faut comprendre qu'il est déjà difficile de faire ce que l'on fait et de générer du bruit de fond, c'est-à-dire des messages dont la portée n'est pas à la hauteur du changement de politique d'un continent, bien sûr, c'est toujours c'est en direct sur YouTube, puisque dans mon studio de production, je voulais le lien, je vais vous l'envoyer pour ceux qui le veulent. Toujours, tout est fait de manière professionnelle. Plus que professionnelle, puisque ici, on est sur des mécanismes réseau qui sont hautement. Je vais vous envoyer si ça ne vous dérange pas. Là, j'ai mis l'insertion de l'image pour juste préciser là, celui qui a dit avec son téléphone. Là, vous m'appellerez quand vous arriverez à faire une insertion d'image avec son téléphone. Ça, c'est juste pour comprendre comment je travaille. Je vous envoie le lien. Allez-y. De rien. Voici. Alors, moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est donc des exercices pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne sur les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmes, puisque nous avons terminé le cours de qui porte sur ces deux fonctions nouvelles. Alors, je vais démarrer avec vous. Alors, je pense que vous avez donc Teams ouvert. Éventuellement, ceux qui veulent me suivre en direct ou bien en léger différé sur YouTube, si ceux qui ont raté le début, ben, nous utilisons YouTube de telle manière en ayant la possibilité que vous passiez au time code 0, ça veut dire au tout début de l'émission. Vous devez avoir donc un navigateur internet. Je vais demander que vous alliez sur un lien
d'archivage, d'archives de toutes les annales de BTS opticien lunetier. Ce site s'appelle APMP, donc vous ouvrez un Google et vous tapez APMEP.fr. Donc ça va être vraiment du concret aujourd'hui. Ça va être vraiment du concret aujourd'hui, en ce sens où... Ah ouais, mais si Enzo, si tu me suis sur YouTube et tu n'auras pas les liens que j'envoie sur le chat de It's Learning, je suis obligé d'utiliser It's Learning. Ce n'est pas ma plateforme, mais c'est la plateforme qui m'a été donnée par M. Gabé via l'ORT. Donc ici, tu vas sur APMEP. Ça va venir plus tard, mademoiselle. APMEP.fr. Et là-dessus, je les ai récupérés cette semaine, donc ça ne va pas être facile pour le corriger encore cette semaine. Alors, dans Annales, vous allez dans BTS, Annales de bac brevet BTS sur APMEP.fr, et quelque part, il y a marqué BTS 399 sujets. BTS 399 sujets. Vous cliquez sur ce lien-là. J'espère que vous avez un navigateur Internet à côté de votre applicatif Teams. Là-dessus, vous ouvrez Google. Dans Google, vous tapez APMEP. Vous prenez le premier lien. Dans ce lien, vous aurez Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, un site avec un bandeau vert horizontal au-dessus. Là-dessus, vous choisissez la rubrique Annales, et dans Annales, vous avez Bac Brevet BTS. Dans Bac Brevet BTS, vous choisissez BTS. Alors, il y a ici des sujets de BTS opticien lunetier et d'autres, bien sûr, BTS. Nous avons comme ceci, vous allez prendre, si ça ne vous dérange pas, le sujet du 14 mai 2018 dont je vous donne le lien dans la bulle de chat. Allez-y, ici, dans la bulle de chat, vous avez le lien du sujet simple, on démarre toujours par des sujets simples que j'aimerais que l'on traite ensemble. C'est tout à fait réaliste puisque c'est un sujet de BTS opticien lunetier. Première année, ça veut dire qui a traité. Alors, vous essayez d'ouvrir le lien BTS OL de 2018, s'il vous plaît. Je vous ai envoyé le lien sur la bulle de chat. C'est un exercice simple. Vous allez, alors, on va passer partie A, partie B, partie C, étude d'une fonction. Partie C, étude d'une fonction. Donc là, c'est du concret. Bien sûr, pour ceux qui connaissent leur cours, ça ne va pas poser trop de problèmes. Étude d'une fonction 200 exponentielle f de x égale 200 exponentielle moins 0,6. Merde, ce truc-là. Là-bas, il y a marqué plus 20. Voilà. Voici la fonction tout à fait simpliste que l'on aimerait étudier ensemble. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui choisis Teams. Donc, je suis obligé de le faire. Je le fais et j'essaye d'avoir... ce n'est pas moi qui utilise Teams, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, HM. Alors, on y va. 200 exponentielle moins 0,6x plus 20. Et on va lire les questions. Alors, bon, il y aura des questions que l'on pourra traiter avec ce qu'on a fait ensemble.
Et cherche bien sur YouTube et tu vas trouver. J'ai donné le lien en haut. Si tu vois pas mon écran, tu me vois sur YouTube. J'ai donné le lien un peu plus haut dans la bulle de chat. Et là-bas sur YouTube, si tu cliques sur le lien que je t'ai donné, tu vas voir directement. J'ai pas, comment dirais-je, j'ai pas envisagé de vous donner mon écran. Ici, tu dois voir BTS OL 2018 en rose. Étude d'une fonction f de x égale. De toute façon, je reprends toujours le sujet dans mes corrections. Donc, vous n'avez pas besoin, pour ceux qui n'ont pas Internet ou ceux qui n'ont pas APMEP devant les yeux, je redonne le sujet dans mon papier de correction, si bien que ça se suffit à lui-même. Alors, on y va. Je lis la question. Partie C. Dans cette partie, on modélise l'évolution du nombre de paires en centaines d'un certain type de lentilles de couleur vendues par l'entreprise Bozieux en fonction du rang je sais pas quoi, X de l'année après 2010 par la fonction F. Un logiciel de calcul formel fournit les résultats suivants. Ces résultats sont admis et peuvent être utilisés dans les questions suivantes. Alors, si ça ne vous dérange pas, on va quand même les calculer ensemble. C'est pour ça que je prends ce sujet comme appui de calcul standard sur les fonctions exponentielles notamment. Déterminer le sens de variation. Première question. Sens de variation. Sens de variation de f de x. Sens de variation de f de x. Comment on fait pour étudier le sens de variation d'une fonction? En fait, c'est ça la question. Je vous écoute. Comment on fait pour étudier le sens de variation d'une fonction quand on vous donne la formule de la fonction? Je vous écoute. Là, c'est très technique. Avec la dérivée, très bien. Allez, on y va. Donc, dérivée. Enfin, très technique, c'est-à-dire c'est très dérivé, on l'appelle f', comme vous le savez. Et le but de la manip, c'est de trouver la dérivée. Alors, on va essayer de la calculer ensemble. On écrit f' de x égale. Alors, vous avez la formule suivante que l'on a vue ensemble, que si vous utilisez le code couleur que nous avons utilisé de manière systématique. Vous avez ici f'. Nous savons que e de ax plus b, j'espère que vous avez vos fiches, a pour dérivée a e de ax plus b, si je puis dire. Donc on reprend. Nous savons par ailleurs que e de ax plus b a pour dérivée a e de ax plus b. Et donc ici, ça va faire 200 que multiplie moins 0,6, puisque le petit a ici, il vaut moins 0,6, moins 0,6 e de moins 0,66. Donc c'est un BTSOL. Donc pour ceux qui n'ont pas idée de la difficulté, oui, il n'y a pas de problème. Chacun choisit le meilleur des visionnages et je sais déjà que c'est plus net et appréciable sur YouTube que sur cette plateforme Microsoft qui n'a mais je l'utilise parce qu'on me demande de l'utiliser tout simplement. Elle me permet aussi d'échanger par chat certaines choses, mais vous pouvez, comment dirais-je, moi ça ne me dérange pas que vous alliez sur YouTube, justement, je le diffuse en live sur YouTube en qualité HD. Je rappelle, vous êtes sur du pixel de 1920 pixels sur 1080. Comme vous le voyez avec l'engrenage, il y a l'icône HD en rouge qui est allumée. Et donc ici, vous choisissez la qualité la plus grande et vous avez effectivement, puisque moi je le fais en retour image sur YouTube et je me vois, si je peux dire. Vous avez une qualité qui est pratiquement au-delà de ce que l'on peut imaginer. À partir de là, nous allons poursuivre
Nous allons poursuivre le calcul de cette dérivée. 200 fois moins 0,6, puisque c'est le A, exponentielle de moins 0,6, plus 0, d'accord? Plus 0. Alors, vous prenez votre machine à calculer à côté de vous, histoire 2, même si c'est la machine à calculer du smartphone ou bien de l'ordinateur. 200 fois 0,6, ça vous donne 120, et donc ça vous donne moins 120 exponentielle de moins 0,6x. Et donc, vous encadrez le résultat. Oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais à la limite, je ne sais pas si vous voyez, mais sur YouTube, c'est plus net que moi, que carrément, si j'ai envie de voir faire le point et voir exactement mon écriture personnelle, je la vois plus nette sur YouTube que sur ma feuille de papier. C'est incroyable. Alors, bah tenez, ça c'est un truc d'optique, ça. Ça c'est lié à l'optique. Quelqu'un peut-être peut-il m'expliquer cette chose-là? Alors, moins 120, vous encadrez ce résultat. Ensuite, dès que vous avez la dérivée, c'est très il faut être systématique, pas technique, c'est systématique. C'est le signe de la dérivée qu'il va falloir étudier. Alors, je vous écoute par rapport à la rubrique suivante. Alors, au passage, quelqu'un peut-être parmi vous m'a dit, mais attendez, il nous a fait l'ensemble de définitions, ici, il n'en parle pas. Alors, l'ensemble de définitions, j'en parle pas parce qu'il est marqué dans le sujet. En fait, ce n'est pas un ensemble de définitions, c'est un domaine d'étude qui vaut 0 plus l'infini. Donc, notre fonction, étude de notre fonction, faites attention, alors, sur 0, étude de notre fonction sur 0 plus l'infini. Ça, c'est marqué dans le sujet, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Vous avez marqué dans le sujet, comme ceci, étude de cette fonction-là sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas sur moins l'infini 0, mais dans ce sujet, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe entre moins l'infini et 0. Faites attention, jeunes gens, il y a une conséquence de ça, conséquence très grave en fait. La conséquence, c'est qu'il ne faut surtout pas inscrire moins l'infini 0 dans un quelconque tableau sur ce sujet, n'est-ce pas? Puisqu'on ne vous le demande pas. Ça va être faux. C'est-à-dire, conséquence très grave, c'est que ça va être faux. Ça va être faux carrément de décrire. Vous êtes sur des lunettes là ou des lentilles de contact là, si vous regardez votre sujet, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de parler de moins l'infini sur des lentilles de contact si vous reprenez le début de votre sujet. La conséquence pragmatique pour vous, c'est de, en aucun cas, je répète, en aucun cas, il va falloir faire mention de l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on y va. Oui, je vous encourage même à le faire, si vous voulez. Je répète, vous avez une qualité HD. Je diffuse en temps réel, en live, l'ensemble de mon cours sur YouTube, en qualité extrême. À partir de là, vous avez une netteté et un point sur YouTube que vous n'aurez nulle part ailleurs. Donc, vous choisissez votre mode d'écoute. Si votre mode d'écoute, il est plus net sur l'une ou l'autre des plateformes, vous le choisissez, vous êtes libre. L'essentiel, c'est de faire le sujet de BTS avec moi. C'est tout. Il y a quelque part, les visio-cours, les télécours, c'est, comment dirais-je, une responsabilisation aussi des étudiants. Moi, je diffuse, d'ailleurs, sur YouTube, nous avons des gens qui viennent de l'ensemble des continents du monde dans les statistiques de consultation. On peut l'observer par la suite. Alors, on va devoir
poursuivre, s'il vous plaît. Le signe. Alors, qui c'est qui me parle du signe? Là-bas, il y a marqué signe de f' de x de manière systématique. Je rappelle, de manière systématique, vous devez étudier le signe de la dérivée une fois que vous avez trouvé la dérivée. Alors ici, nous observons. Alors, par contre, il y a des phrases clés qui doivent être mentionnées dans la copie. Le fait que l'exponentielle est une quantité qui est toujours positive, c'est une propriété des exponentielles, n'est-ce pas? Il y a quand même pas mal de propriétés dans les exponentielles. Et donc, les propriétés qui font en sorte que vous avancez dans votre résolution doivent être mentionnées sur la copie. Donc ici, on va marquer f' de x est négative sur l'intervalle 0 plus l'infini, car c'est la multiplication d'un... Alors attention, hein, vous êtes en BTSOL, mais quand même, on exige un minimum d'explication. Hein, ça, c'est difficile. Car multiplication d'un nombre négatif, le moins 120 qui est devant vos yeux, par une exponentielle. Il y a un point ici. Ici, il y a un point sur 20, ou un demi-point sur 1 point sur 40. Ici, il y a un point sur 20 avec la phrase que l'exponentielle, elle est tout le temps positive. On attend du candidat qu'il spécifie cette propriété. Car multiplication d'un nombre négatif moins 120 par une exponentielle qui, elle, est toujours positive. Cette phrase doit figurer en tant que telle sur votre copie et ça vaut 1 point sur 40. Car multiplication d'un négatif moins 120 par une exponentielle qui, elle, est toujours positive. Pourquoi? Est-ce que tu as vu une droite? Hachem, je t'en supplie. Est-ce que tu as vu une droite pour me parler de coefficient directeur? Qui c'est Hachem? Qui est Hachem? Vous comprenez pourquoi sur It's Learning, il faut avoir un profil renseigné. Ozos, Marie, très bien. Alors, tu comprends Marie. Marie, tu ne peux prononcer le mot coefficient directeur que si tu vois une formule du type affine. Quand tu vois quelque chose qui s'écrit sous la forme... Très bien, super Marie. Ok. Non, mais c'est important, c'est-à-dire c'est important même si ça... c'est important, mais je sais que tu as compris, ne t'inquiète pas, j'arrive à déceler. Donc ça, tu aurais pu dire que A était un coefficient directeur. Mais ici, comme c'est moins... Je comprends, ça veut dire que tu voulais dire que ça, c'était de la forme AX plus B. Mais justement pas. Justement pas, parce qu'il y a une exponentielle. Donc c'est pas, tu ne peux pas extrapoler tout ce que tu as envie de dire à des formes ressemblantes. La notion de AX plus B, c'est pour de vrai, ça veut dire. Ce n'est pas juste comme ça du fun, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait x en face d'un coefficient, auquel cas tu aurais pu le qualifier de coefficient directeur. Ok. Mais n'en demeure pas moins que ça reste un coefficient tout court. Il n'est peut-être pas directeur, mais il est coefficient tout court. S'il est coefficient tout court, il m'intéresse, son signe m'intéresse. Le signe de moins 120 est négatif. Alors peut-être, le signe de moins 120 est négatif, très bien. Ensuite, le signe de l'exponentielle est toujours positif, et ça, je rappelle que c'est 1 point sur 40. La dernière phrase, là, elle est à 1 point sur 40 évalué. Et donc, la multiplication d'un nombre négatif par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. C'est pour cela que j'ai écrit f' de x est négatif. Alors, faites attention, il y a encore un autre piège, parce que de temps en temps, vous faites des choses qui sont partiellement justes. Mais le problème, c'est que quand c'est partiellement juste, ça ne va pas déclencher le nombre de points, soyez-en convaincus.
Par exemple, regardez là, s'il vous plaît, f' de x négatif. Là, on va prendre un peu de temps pour expliquer comment ça fonctionne en études supérieures et même au bac, je veux dire. Vous voyez, le fait de dire sur 0 plus l'infini, le domaine d'étude, il faut le mettre. Il faut mettre ça. F' de x, on étudie sur 0 plus l'infini, donc on doit répondre, c'est-à-dire en français, à la fin de l'histoire, à la fin de l'histoire, vous mettez un tableau de signes, si je ne m'abuse, qui va être celui-ci. À la fin de l'histoire, il faut faire figurer un tableau de signes de la dérivée f' de x à côté de votre signe qui est négatif. Alors pourquoi, je répète, pourquoi je ne mets rien concernant moins l'infini 0? J'en ai déjà parlé tout à l'heure, parce que ce n'est pas le sujet. Il y a marqué qu'on étudie sur 0 plus l'infini. Donc vous restreignez toute votre étude à 0 plus l'infini. On va passer à la question suivante si ça ne vous dérange pas. Et si vous n'avez pas de questions. Là-bas, il y a marqué l'intermédiaire de variation. Ah oui, le sens de variation. Donc on n'a pas terminé, d'accord? Donc tout ça, c'est bien beau, mais il faut terminer. C'est pas aussi, c'est-à-dire, il faut être très très systématique. Donc on termine par le tableau de variation. Alors je répète encore pour ceux qui n'ont pas bien compris qu'on attend de vous, c'est pas on attend de vous que vous sachiez des choses, mais on attend de vous que vous soyez systématique. Ça c'est fondamental de bien comprendre. Là on a passé trop de temps en début d'année pour une adaptation aux études. Les études, c'est pas, ça ne se fait pas comme ça sur un pied. Donc, on répète tout ça pour dire qu'ici, il va falloir répéter, même si vous l'avez fait à la page précédente, je viens de le faire, je l'ai fait il y a 3 secondes, c'est pas il y a 3 minutes, c'est il y a 3 secondes. Mais un tableau de variation ne peut pas se présenter sans... pardon, c'était négatif. Un tableau de variation ne peut pas se présenter sans un rappel du signe de la dérivée attenante. Et donc, vous refaites le tableau de variation, mais en réservant la ligne de nouveau. De nouveau, alors certains d'entre vous disent, mais on l'a écrit juste avant. Ben oui, ben on l'a réécrit, c'est comme ça, c'est ça les études académiques. Sinon, on refait la ligne plusieurs fois. Ben oui, c'est comme ça. Même un carreleur, il refait la ligne plusieurs fois. Donc ici, si je ne m'abuse, voici le tableau de variation de notre fonction, n'est-ce pas, de 100 exponentielle moins 0,6x, etc. Alors bien sûr, un tableau de variation doit être complet autant que faire se peut. Ah, c'est compliqué ça. Ah oui, maintenant je comprends pourquoi ils ont mis les limites. Alors, f de 0, comment ça vaut f de 0? F de 0, vous remplacez x par 0. Ça vous donne exponentielle de 0 qui fait 1, ça fait 200. Ça fait 200 plus 20. Donc ici, il n'y a aucune... 220 volts. 220, ici vous mettez 220... sans aucun problème. En revanche, il faut mentionner la limite de f de x en tant que telle, ça veut dire qu'il faut la calculer, en plus l'infini. Donc je vais profiter, alors que ce soit bien clair, la question, elle n'est pas demandée en tant que telle, que ce soit bien clair. La question n'est pas demandée en tant que telle, mais non seulement elle figure dans l'introduction de votre sujet, mais en plus, dans la variation, il faut quand même mettre la limite en plus l'infini. De toutes les manières, c'est une limite du cours. On se rappelle que f de x est égal à 200 exponentielle de moins 0,6x plus 20. Et vous écrivez comme ça, je vais vous apprendre à rédiger une limite de manière académique. On a, d'après le cours,
limite de exponentielle de moins grand x lorsque grand x tend vers plus l'infini. Faites attention, il y a un petit jeu. Et on est en plus l'infini ici. Faites attention, jeunes gens. On est en plus l'infini. Il n'y a rien à voir avec moins l'infini. C'est en plus l'infini. Alors, on y va ensemble. Lorsque grand x tend vers plus l'infini, moins grand x tend vers moins l'infini, et e de moins l'infini, ça fait combien e de moins l'infini? Comme vous le savez, d'après le cours, c'est ça le cours. Le cours, c'est de dire que l'exponentielle de moins l'infini, puisque moins 0,6 que multiplie plus l'infini, ça va faire moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Au passage, on ne vous le demande pas ici, mais vous avez à noter la présence d'une asymptote horizontale. Ce sera la question standard que l'on fera en question subsidiaire, parce que j'utilise ce sujet pour asseoir tout ce qu'on a vu ensemble sur la fonction exponentielle. Mais ici, comme vous l'avez vu d'ailleurs en terminale pour certains, il y aurait eu une question standard sur la trouvaille d'une asymptote horizontale, comme vous avez vu les sujets ayant trait à ce genre de phénomène. Alors, on n'a pas terminé, on en a pris le cours, donc qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait, regardez bien jeunes gens, ça fait, je vais la gribouiller en jaune, ça fait que cette chose-là, qui est jaunie, tend vers zéro. En fait, d'après le cours, on a exponentielle de moins 0,66, donc limite de exponentielle de moins 0,6 petit x est égal à 0 lorsque petit x tend vers plus l'infini. Très bien. Ça, c'est le jaune. Alors maintenant, comment ça se passe? Ben, vous faites 200 fois 0 plus 20. Ensuite, vous marquez par produit. Là, c'est vraiment une rédaction sympa sur la limite. Par produit et somme, on obtient. C'est vraiment la rédaction officielle. Et encore, par produit et somme, on obtient limite de f de x lorsque petit x tend vers plus l'infini est égal à 200 que multiplie 0 plus 20 qui fait 20. Et donc, vous écrivez comme ceci 20. Dans votre tableau de variation. Et là, vraiment, c'est très clair. Et vous avez terminé de manière posée, tranquillement, votre tableau de variation. Si vous avez des questions par rapport à ce point, c'est maintenant qu'il faut en parler. Tout à fait classique comme démarche. Ensuite, nous allons poursuivre, s'il vous plaît. Nous allons poursuivre les questions. Donc, on a terminé. On a répondu à la question. Bon, attention, c'est pas barémé. Ça, c'est quoi? C'est barémé 2 points sur 40, max 2, 3 points sur 40. Ça veut dire ça fait 1 point sur 20, 1,5 point sur 20, pas plus. Je vous rappelle que c'est que la partie C du premier. Donc, c'est simple. Hein, à vue donnée, c'est le tiers. C'est le tiers du grand 1. Si le grand 1, il est sur 10 sur 20, le tiers de 10, c'est 3 points. Donc, 3 questions, 3 points. Donc, c'est ça, c'est barémé 2 sur 40, 2,5 sur 40, tout ça. Alors, là, je vais vous demander un petit effort, jeunes gens, par rapport à la notion d'intégrale, si ça ne vous dérange pas. Bon, sinon, on ne peut pas faire le sujet d'examen. Dans un sujet d'examen, forcément, il y a des notions qui couvrent l'ensemble des deux années. Nous avons fait, de toute façon, vous avez fait le baccalauréat et donc vous avez vu la notion d'intégrale. Comme vous le savez, la notion d'intégrale, déjà, juste une révision, donc pour la question numéro 2, on a vu ensemble le passage de f à f'. Quand vous partez de f, et que vous calculez f', on appelle ce processus
un processus de dérivation. Et comme vous le savez, puisque vous avez fait le baccalauréat, quand vous faites marche arrière, ça veut dire quoi marche arrière? Ça veut dire que vous partez d'une fonction, on va l'appeler petit g pour changer son nom, et que vous remontez, ça s'appelle ici trouver la primitive. Trouver la primitive, intégrer. Cette opération dans le sens de la gauche vers la droite s'appelle la dérivation. L'opération réciproque de passer de la colonne de droite dans ce tableau à la colonne de gauche, ça veut dire trouver une fonction dont la dérivée est la fonction du départ, s'appelle la primitivation ou l'intégration. On va dire, pour simplifier, la primitivation. Attention, ça n'a rien à voir avec la privation. La primitivation, trouver une primitive. Alors, au passage, vous notez le choix de l'écriture majuscule pour la primitive. C'est pour ça que, depuis le début de l'année, on vous demande je vous demande de bien distinguer la majuscule de la minuscule, tout simplement parce que chez nous, la majuscule, elle a un sens. Quand on utilise une lettre majuscule, ce n'est pas pour du beurre. Ça veut dire la primitive. Donc, on va donner un exemple. De toute façon, on le refera plus tard. On va donner un exemple. Je ne sais pas, moi, si par exemple, 2x, c'est la dérivée. Si par exemple, 2x, c'est la dérivée de x2, vous pouvez affirmer aujourd'hui que x2 est une primitive de 2x. D'accord ? Donc ça, c'est très important de comprendre le processus réciproque. Le processus réciproque que si dans ce fameux tableau gauche-droite, où la première colonne, c'est un F, la deuxième colonne, c'est un F', et que si vous avez X2 ici, vous avez 2X de ce côté-là, remontez à la primitive. Pourquoi je dis remonter? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi je dis remonter? Tenez pour voir. Parce que vous savez, chaque terme que j'emploie a un sens très fort et donc est choisi de manière à propos. Pourquoi je dis remonter à la primitive? Qui c'est qui m'explique ça? Je n'ai pas dit on remonte à la dérivée. Au contraire, trouver une dérivée, c'est descendre. Alors pourquoi trouver une dérivée? C'est l'étape d'avant, ouais, tout simplement. Oui, un peu complexe, parce que imaginons que l'exercice démarre à la deuxième question. Alors, ce n'est pas l'étape d'avant. Mais malgré tout, on va dire remonter à la primitive. Tu comprends, mademoiselle? Remonter à la primitive, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, je vais donner un exemple. Alors, c'est pas une métaphore. Hein. Ça va être un exemple de ce style de phénomène. Ça va être difficile parce que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas voir l'analogie directement et ça va être frustrant. J'ose espérer qu'on soit frustré quand on ne comprend pas quelque chose, mais c'est important. Regardez, vous écoutez bien. Il s'agit d'étudier les bassins versants du réseau hydrographique. Ça veut dire en français, vous avez les rivières en France, par exemple la Bruche. Chez nous, en Alsace, nous avons la Bruche. Et la Bruche, elle a une source. Justement, ça aussi, c'est un mot consacré. La Bruche, elle a une source, ou bien la Meurthe et Moselle. La Meurthe, qui connaît la Meurthe? Il y a la Petite Meurthe, la Grande Meurthe. Et la Meurthe et Moselle, elle va se jeter là-bas dans le Rhin. Là-bas, elle va se jeter à Rotterdam, la Meurthe. La Bruche, elle va se jeter à Fegersheim.
etc. Et de Fegersheim, ça va aller à Lille, etc. Lille, ça va aller au Rhin. Le Rhin, ça va aller à Rotterdam. Donc finalement, tout le monde arrive à Rotterdam. La question, elle est la suivante. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette substance, de la fluorescine. Je pense que vous avez eu des cours de SVT. Vous mettez de la fluorescine. La fluorescine, c'est un colorant vert fluo. Donc on met quelques gouttes de fluorescine dans la source de la bruche. De quoi vous êtes sûr? Vous êtes sûr de quoi? Si vous suivez cette tache verte, vous la suivez comme ça, avec des jumelles, vous suivez la tache verte, et quand elle se déplace, vous vous déplacez avec elle sur les rives de la rivière, c'est le cas de le dire. Ben, vous êtes sûr d'une chose, c'est que si vous la suivez vraiment, vous allez arriver où? Vas-y, et continue. À Rotterdam, très bien. Très bien. Voilà, tu as compris. Aval et amont qui sont effectivement HM, tu as tout compris. Marie, tu es sûre de la retrouver aval, comme on peut même des expressions françaises, on la retrouve aval. On la retrouve aval. Et donc, on va la retrouver à Rotterdam. Maintenant, c'est quoi la question? Comment ça marche à l'envers, ce processus? Oui, tout à fait. Bien sûr, HM, elle sait tout. Alors, c'est quoi? Essayez de réfléchir, s'il vous plaît, au processus réciproque. Et vous allez voir que c'est complètement... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Qu'est-ce que tu crois pas? Si, que tu sais des choses. Si. Allez, Marie, on y va, on avance. Essayons de faire, c'est enfantin. C'est-à-dire la description que je vous ai faite de suivre la goutte verte depuis la source de la bruche vers l'embouchure du Rhin qui est dans un delta à côté de Rotterdam. Je ne vous ai pas fait appel à des connaissances. Ça veut dire ça va, c'est compréhensible. Maintenant, essayons de faire la chose contraire pour que vous compreniez c'est quoi le processus de remonter à sa source, justement, comme on dit en langue française. Maintenant, vous allez à Rotterdam, là-bas, après le port. Tout à coup, vous voyez un poisson, vous voyez une goutte verte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez vous poser comme question? La question que vous posez, c'est d'où elle vient? Alors, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez remonter à la source, c'est le cas de le dire? Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez remonter à la source en étant posté là-bas à Rotterdam? Si vous êtes posté à la source de la Bruche, ah bon? WE, c'est qui WE? Emma, je t'écoute. Emma, je t'écoute. Allez, tu peux allumer ton micro si tu veux. C'est pas moi qui comprends ça. Non, mais c'est pas grave. C'est justement ça l'exercice. On fait ensemble, Emma, on fait ensemble un exercice important de savoir un processus et le contraire d'un processus. On ne dit pas le contraire d'un processus, mais c'est le fait de remonter qui est difficile. Alors, on reprend. Tu as bien compris l'histoire de la fluorescine. Si tu mets un colorant fluo vert qui reste concentré, c'est un produit très spécial, inoffensif hein, pour l'écologie, pour ceux qui sont écologiques. C'est inoffensif, c'est biodégradable. Donc vous arrivez dans un sens, depuis la source de la Bruche jusqu'à Rotterdam, ben ça marche, c'est-à-dire vous arrivez à suivre, et cette goutte, vous n'avez pas de doute, vous la voyez, vous la suivez, vous prenez une motocross, et vous arrivez à suivre. Mais le processus réciproque, le processus inverse, bon, j'aime pas mélanger les mots. Ben non, du coup, effectivement, tu as compris, Emma? Alors pourquoi pas? Pourquoi vraiment pas? Est-ce que tu peux me dire pourquoi vraiment pas on ne peut pas dire qu'elle vient de la Bruche? Justement, c'est un peu difficile. Faut suivre le fleuve dans le sens contraire. Non, mais justement, Marie. Marie. Oui, d'accord. J'ai bien compris, Marie et Emma. Mais qu'est-ce qui ne va pas le faire? Qu'est-ce qui ne le fait pas?
que je ne suis pas sûr. J'ai dit, on prend une motocross. Donc la motocross, je l'ai aussi à Rotterdam, d'accord. Je pourrais monter avec la motocross à l'envers. Mais qu'est-ce qui ne va pas le faire? Qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à suivre dans un sens et remonter le courant? Il faut que vous sentiez la difficulté. Et alors? Je t'écoute, tu es presque. Parce que l'eau, elle s'est dispersée un peu partout. Mais la fluorescine est très concentrée. La fluorescine, elle est très concentrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne pourrais pas remonter à la source? Parce que justement, jeunes gens, parce que il y a... Parce que peut-être ça va venir de la bruche, peut-être ça va venir de la Meurthe et Moselle, ça va venir, on ne peut pas savoir. Quand on voit une goutte d'eau à l'embouchure, on ne peut pas remonter à la source, parce qu'on imagine bien sûr, et c'est le cas, qu'il y a plusieurs sources qui se jettent à Rotterdam, et ça peut être très bien la bruche dans les Vosges, c'est encore le 68, c'est encore le 67, mais ça peut être très bien la Meurthe et Moselle, qui serait déjà à Saint-Dié, et là-bas, beaucoup plus loin que notre petite bruche, on est d'accord? On ne peut pas remonter, on ne peut pas remonter. Pourtant, dans un sens, c'est faisable. Dans un sens, vous avez un départ. Dans un sens, vous avez un départ, et en suivant le vous arrivez à l'arrivée, il n'y a pas de doute. En revanche, dans l'autre sens, on ne peut pas remonter. On ne peut pas remonter à la source. On ne peut pas remonter à la source quand on connaît la goutte d'eau. On ne peut pas remonter à la source parce qu'il y a plusieurs sources qui se jettent à Rotterdam. Ça a l'air comme ça tout bête. Ça a l'air comme ça enfantin, ce genre de choses. Mais c'est fondamental dans un processus de transformation. C'est fondamental, on peut le retrouver. On peut le retrouver dans tout processus de transformation. Quand vous avez des matières premières qui se transforment en produits finis, donc vous avez un cheminement depuis l'étape matière première jusqu'à l'étape produit fini. Ah ouais, le Teams, il ne marche pas du tout. Hein. C'est incroyable. Incroyable comme quoi il est bloqué. Et sur YouTube, ça passe très très bien. Et donc, voilà. Donc effectivement, le passage de F à F', on dit en français, comme si F, c'était la matière première, comme si F, c'était la source de la bruche, on peut toujours dériver dans ce sens-là. Bien sûr, à condition de connaître les formules, mais disons... comme vous le voyez sur votre sujet, il y a des ordinateurs qui savent dériver, même votre machine. Certains d'entre vous, ils ont des machines. J'avais vu à l'époque la X-CAS, là, il y a une demoiselle, je crois qu'elle a une machine un peu sophistiquée. Cette machine sophistiquée, elle sait dériver. En revanche, on peut bloquer la machine si on lui demande d'intégrer. Ça, il faut le savoir. Le processus d'intégration, pas chez nous, hein, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Pas en BTSOL. En BTSOL, le processus d'intégration, il est aussi déterminé. Ça veut dire, on apprend son cours, on connaît mais c'est juste dans le principe. Dans le principe de la remontée à la fonction du départ, c'est beaucoup plus difficile de primitiver que de dériver. D'ailleurs, comme vous l'avez expérimenté en classe de terminale, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Qui c'est qui parle? Oui, Marie, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que justement, elle a plusieurs grands-parents, etc. On ne peut pas savoir. C'est le gène. Ok, elle a les yeux bleus. D'accord. C'est-à-dire, bon, alors en plus, là-bas, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a les gènes récessifs et les gènes... Mais même à imaginer qu'il n'y ait que des gènes dominants. À imaginer qu'il n'y ait que des gènes dominants. Elle a ses deux grands-mères. Il y a une demoiselle, elle a les yeux marrons. On sait que marron, c'est dominant par rapport aux yeux bleus. Maintenant, il est clair que... c'est exactement ça. Il est clair que c'est, entre guillemets, à cause de ces deux grands-mères, à cause de ces grands-mères qu'elle a les yeux marrons. Mais, si on veut remonter, on ne peut pas savoir de quelle grand-mère il s'agit. Bon, mais là-bas, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a la notion de gènes récessifs et compagnie. Mais on peut difficilement remonter. On ne pourra pas dire, c'est cette branche de l'arbre qui a provoqué tel gène, ou bien c'est telle branche de l'arbre qui a provoqué tel gène, bien sûr, en première lecture, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Pour ceux qui connaissent, puisque tu me donnes une analogie, Marie,
Il y en a peut-être des gamers chez vous ici, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo et qui essayent de craquer des jeux vidéo? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font ce genre de manipulation? C'est comme quelqu'un, il achète un jeu vidéo en cassette à l'époque où il y avait les petits jeux là pour les Play DS là, ou je sais pas comment ça s'appelle là, les trucs. Alors vous avez la fabrication du jeu en produit fini que vous achetez à très cher, à 100 $ ou je sais pas quoi. Et là-dessus, c'est le résultat de tout le travail de la compagnie japonaise. Mais à partir de cette cassette-là, même si vous avez des ordinateurs puissants, est-ce qu'on peut remonter au scénario, est-ce qu'on peut remonter aux sources, c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs en informatique, est-ce qu'on peut remonter aux sources du programme pour changer la texture, ou pour changer la couleur, ou pour changer le personnage? Ben non. Autant, quand tu travailles dans le studio Ubisoft, tu peux recréer un jeu en un clic de souris, tu changes la texture, ou le personnage, ou la couleur, autant de le faire dans l'autre sens, c'est pratiquement impossible, même pour les plus chevronnés. Ça, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne, ces choses-là, de pouvoir remonter aux sources ou pas. Et donc, chez nous, la primitivation, le fait de trouver une primitive, ça s'appelle une remontée. Ça s'appelle une remontée vers le source. Une remontée. Alors, on va poursuivre si ça ne vous dérange pas. On va poursuivre si ça ne vous dérange pas. Et marquer là-bas, calculer la valeur moyenne. Bon, alors ce n'est pas grave. Je vais vous demander d'avancer un petit peu, même si on ne l'a pas vu ensemble jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas grave. Sinon, on ne peut pas faire les sujets. On n'a pas suffisamment de volume pour faire les sujets. Là-bas, si vous reprenez votre sujet, il y a marqué de calculer la valeur moyenne entre 0 et 10. Comme ça, c'est marqué. Valeur moyenne de f entre 0 et 10. Alors, donc ce que je vous demande, c'est. De toute façon, d'ailleurs, vous le voyez dans votre sujet, il rappelle la formule de la valeur moyenne. Donc, vous voyez bien que. On ne peut pas non plus tout connaître par cœur. Donc d'abord, une nouveauté, mais ce n'est pas grave, ça nous fait une introduction à ce qu'on va faire plus tard. Une notation qui s'appelle la notation intégrale. La valeur moyenne se calcule de cette manière-là. Et on verra ce que veut dire ce symbole, etc., etc. Donc chez nous, on va remplacer. Donc, il y a toujours un effort de substitution. Dans un premier temps, vous substituez les valeurs parce que vous connaissez. Le B, c'est 10. Le A, c'est 0. Donc, il ne faut pas trop s'angoisser non plus pour un calcul de ce type. Et donc, ça vous donne ceci. Au passage, je vais profiter de l'occasion pour écrire f de x. Et la remplacer par sa valeur. En fait, ce qu'on me demande, c'est de remplacer les quantités par ce qu'elles valent. Voici B, voici A, voici f de x. OK. 10 moins 0, ça fait 10, etc., etc. Alors, maintenant, nous allons travailler sur cet objet-là, qui s'appelle une intégrale, ce qu'il faut trouver ici, c'est remonter. Il faut trouver la primitive. Il faut trouver la primitive de tout ce bins là-bas, de 200 exponentielle moins 0,6x plus 20. Ce n'est pas grave, parce que même si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui ensemble, on a quand même fait les dérivées. Et si vous avez votre tableau de dérivées que je vais rappeler devant vos yeux, on va le rappeler ensemble, et ben faire des dérivées à l'envers, on répète, faire des dérivées à l'envers,
ça s'appelle primitivé. Donc ça va, c'est encore jouable au mois de novembre de première année. Donc, on va reprendre. On sait qu'une constante a pour dérivée 0. On sait que AX a pour dérivée A. On ne va pas tous les mettre. Je ne vais mettre que ceux qui sont intéressants pour nous. On sait que E de AX plus B a pour dérivée A E de AX plus B. Ça, c'est le tableau qu'on a vu ensemble. Attention, là, je ne parle pas de primitivation, puisque je vous dessine en vert, selon le code couleur, le tableau standard de toutes les dérivées, etc., etc. Au passage, je peux poursuivre le tableau en disant que si j'ai E de AX plus B tout court sans le A, comment je vais faire pour être juste? Eh bien, je vais diviser par A. En ayant divisé par A, 1 sur A que multiplie A, ben ça va faire 1 et ça va équilibrer la présence du A. Donc nous avons devant nos yeux en vert toutes les dérivées qui vont nous être utiles pour notre exercice. Là, je vais essayer de les écrire en noir à côté du tableau, de telle manière à ce que vous puissiez comprendre le processus. On rappelle que c'est un processus de marche arrière. C'est un processus de remontée. Alors on y va. On va démarrer par le plus facile. Le 20. Donc le 20, il doit être sur la colonne de droite. Est-ce que je peux identifier 20 avec 0? Non. Est-ce que je peux identifier le 20 avec une exponentielle? Qu'elle ait un coefficient devant ou pas? Eh bien non. En revanche, je peux identifier le 20 avec la deuxième ligne, qui est une constante. 20 est une constante. Si 20 est une constante, ben ça veut dire en français que sa primitive, elle vaut 20x que j'écris ici dans la colonne de gauche. Donc ça, c'est pas difficile de dire que 20x, c'est la primitive de 20. Donc j'ai un premier morceau qui est 20, dont j'ai déjà trouvé la primitive. En effet, si vous calculez la dérivée de 20x, eh bien, vous trouvez 20. Donc on a déjà le premier morceau, 20 qui est résolu, et on n'en parle plus. Maintenant, il va falloir s'occuper du 200 exponentiel de moins 0,6x. Alors, c'est très technique. Le 200, je le laisse de côté, et je vais considérer l'exponentielle de moins 0,6x. Rebelote, est-ce que ça s'approche de 0? Non. Est-ce que ça s'approche d'une constante? Ben non, parce qu'il y a le x dedans. Est-ce que c'est plutôt un AE? Non. Est-ce que c'est plutôt un E? Ben oui, c'est un E, à condition que le B, il vaille 0, et que le A, il vaille moins 0,6, faites attention, c'est un nombre invariable. Est-ce qu'on est au clair pour l'identification? Ça s'appelle en français, on procède par identification. On procède par identification avec la colonne de droite du tableau de dérivés, justement. Justement. Est-ce que ça va pour l'identification? Parce que c'est fondamental pour remonter, justement. On va remonter grâce à la colonne de gauche. Très bien, Emma. On va remonter grâce à la colonne de gauche, puisqu'on a dit que la remontée, elle est difficile. Oui, mais elle est difficile quand on n'a pas le tableau. Si on a le tableau, exactement, Emma, si on a le tableau devant nos yeux et si on a le processus d'identification qui est clair, alors il n'y a pas de difficulté. Donc, on va avancer ensemble à côté du tableau vert. Donc, E de machin,
E de AX plus B, ben c'est la dérivée de 1 sur A. D'ailleurs, au passage, parce que certains de vos collègues, ils ont peur du terme. Ils ont peur du terme primitivation, comme ça, c'était un gros mot, je ne sais pas quoi, ou intégration. C'est une erreur, parce que, vous regardez, je peux dire la chose sans prononcer ce mot. Je peux dire, exponentielle de AX plus B, c'est la dérivée de 1 sur A, E de AX plus B. Je n'ai pas prononcé le mot primitive. Et pourtant, je vous ai désigné que 1 sur A, E de AX plus B, c'est une primitive de E de AX plus B. Si vous le regardez, si vous faites des phrases... Si vous faites des phrases qui sont à l'endroit, mais dans ce sens-là, ben c'est comme si vous disiez la phrase à l'envers. Sans la prononcer. Donc, E de moins 0,66, ça se rapproche de ça avec un B qui vaut 0 et un A qui vaut moins 0,6. Donc, dans la foulée, je peux écrire la colonne. Dans la foulée, je peux écrire la colonne de gauche qui va convenir, avec un A qui vaut moins 0,6, je l'écris tout de suite, un B qui vaut 0, et ne pas oublier le 1 divisé par A, le A valant moins 0,6. Alors je sais bien que le nombre à virgule dans une fraction, c'est interdit, rappelez-vous, de votre cours de quatrième. Faites attention, hein, ça c'est pas parce qu'on est en BTS ou L1 que ça va être permis. Hein. Ça c'est très très délicat, ça c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. On n'a pas le droit de mettre un nombre à virgule. Je vous rappelle qu'une fraction, c'est le quotient de deux nombres entiers. Donc 0,6, ça fait 6 dixièmes. 1 divisé par 6 dixièmes, ça fait en vérité 10 sur 6. Donc ça, ça va faire moins 10 sur 6 exponentielle de moins 0,6x, si je ne m'abuse. Ça, c'est donc la primitive, hein, moi je prononce le mot, ça c'est la primitive de exponentielle de moins 0,6x. Ça va faire moins 10 sur 6 exponentielle de moins 0,6x. Alors, celui qui n'est pas convaincu, ben, il fait toujours la marche avant. Puisqu'on est plus à l'aise, avec une motocross de descendre vers l'embouchure du fleuve, bien sûr, c'est plus facile de descendre une montagne que de la monter, eh bien, on va redériver ça. Imaginez que ce soit un exercice sur la dérivation. Ben, 0,6, ça veut dire 6 dixièmes que multiplie 10 sixièmes, ben, ça va se simplifier. Avec le signe moins, ça va se simplifier. Il va vous rester exponentielle de moins 0,66. Eh bien, c'est justement ça. Ensuite, donc c'est pas mal, on a avancé. Le 20, on a trouvé sa primitive, c'est 20x. Le exponentiel de moins 0,66, on a trouvé sa primitive, même si c'est une fraction, c'est pas si grave, ça va être moins 10 sixième exponentiel de moins 0,6x. Et maintenant, il reste le 200 qui est en facteur. Le 200 qui est en facteur ne va poser aucun problème, puisque vous savez que lorsque vous dérivez lambda u, lambda un facteur, on utilise la lettre lambda grecque pour désigner un facteur. Vous avez ici 200 que multiplie exponent en multipliant par 200. Il va juste suffire de multiplier par 200. 10 fois 200, ça fait 2000. Et ça vous donne moins 2000 sur 6 exponentielle de moins 0,6x sans aucun problème. Donc, nous avons trouvé la primitive. Et si vous voulez, je vais continuer comme ça, vous avez la totalité de l'exercice sous vos yeux. C'est que si vous avez 200 que multiplie exponentielle de 0,6x plus 20, côté colonne de droite, si vous devez remplir la colonne de gauche en langue française, ça s'appelle trouver la primitive. Eh bien, on peut l'écrire directement. Le 20 se transforme en 20x. Oui, bien sûr, mademoiselle. Bien sûr, mais disons, bien sûr, Marie. On peut simplifier le 200 et le 6, bien sûr. Le 2000 et le 6, bien sûr.
juste que ici je me focalise Marie, je me focalise sur la trouvaille de la primitive. Donc là j'ai la tête, j'ai pas la tête à la simplification de fraction quand je fais un. C'est aussi une méthode pour vous. Ça veut dire que quand vous avez votre cerveau qui est focalisé sur la recherche de dérivés, ben vous dérivez, comme on l'a vu, les simplifications se font dans un deuxième temps. Lorsque vous avez le cerveau qui est focalisé sur la recherche de primitives, alors vous vous concentrez sur la recherche de primitives. Les simplifications, bien sûr, Marie, elles se feront dans un deuxième temps, d'accord? Mais on ne peut pas avoir la tête focalisée sur tout à la fois, chaque chose en son temps, une étape après l'autre. Mais bien sûr que tu as raison, Marie, qu'il va falloir par la suite simplifier le 2000 et le 6, n'est-ce pas? Donc ici, ça fait moins 2000 sur 6, que multiplie exponentielle de moins 0,6x plus 20x. Ce qu'il y a de sympathique, quand vous avez un code couleur et que vous avez cette colonnade là-bas, droite et gauche, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre cet exercice comme un exercice standard de dérivation et de le faire dans le bon sens. Ça veut dire depuis la gauche vers la droite. Vous prenez ce qu'on a écrit ici, moins 2000 sur 6 que multiplié exponentielle de moins 0,6x plus 20, vous dérivez et vous vérifiez que vous avez bien trouvé ce qu'il faut. En l'occurrence, 200 exponentielle de moins 0,6 plus 20, ça marche, on le fait dans sa tête. Alors là, on a terminé un morceau, on n'a pas terminé l'exercice, mais le temps il presse. Donc ce que j'ai fluorisé en jaune, c'est ce qu'on appelle désormais la primitive de f. J'entends Marie qu'il faille simplifier le 2000 et le 6. Nous le ferons plus tard, parce que là, il faut être concentré sur la notion de primitive. Ça veut dire, je suis sûr que tu as vu qu'on pouvait diviser par deux. Ça veut dire, on ne peut pas passer du temps à montrer la division par deux, pour l'instant. Pour l'instant, on le fera plus tard. Oui, on peut simplifier. Ensuite, c'est fou parce que Teams, la preuve que c'est Teams, c'est que là maintenant, depuis une vingtaine de minutes, il marche bien. Tout à l'heure, il ne marchait pas bien, donc on voit bien. Et j'ai rien touché, j'ai fait des maths. Et donc, je sais pas, ça m'énerve cette plateforme Microsoft là. Mais là, depuis 20 minutes, il est redevenu stabilisé, alors qu'au début, il y avait des petits soucis. Ensuite, on n'a pas terminé, malheureusement, j'aurais bien voulu terminer. Donc, on va poursuivre, s'il vous plaît. Donc ça s'appelle, alors d'abord, la notation. On a vu ensemble qu'on utilisait les majuscules, donc c'est pas juste un jeu, hein, c'est pas une typographie ici. De temps en temps, ici, on utilise la lettre grand F de X. C'est pas juste une typographie, c'est que les primitives, comme vous le savez, se notent en majuscules. Si petit f est la fonction du départ, on note grand F la primitive, et c'est pas pour faire un titre, c'est pas une question de typographie, ça veut dire c'est pas pour faire joli, c'est pas une esthétique, on utilise la notation majuscule pour désigner la primitive. Pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, si vous avez travaillé un peu les dérivées, vous connaissez la dérivée seconde, f'. Donc autant nous pouvons ajouter des primes pour faire la dérivée de la dérivée, mais autant si je vais dans le processus
amont, comme elle a dit votre collègue, il y avait un processus aval, un processus amont. Quand on remonte amont, ben, j'ai pas d'autre notation. Après la majuscule, j'ai pas. Si c'est la minuscule, après j'ai la majuscule, mais j'ai pas la majuscule de la majuscule. Donc ça, il faudrait se poser cette question-là, la primitive de la primitive. Ben, la réponse, elle est simple, c'est qu'on le fait pas. Autant on peut faire la dérivée de la dérivée, autant on n'a pas trouvé d'exercice sympa sur la primitive de la primitive. Ce n'est pas un concept qui nous intéresse. Alors, on a trouvé grand F. Alors ensuite, c'est compliqué aujourd'hui, parce qu'on n'a pas fait ça ensemble au tableau, mais bon, ben, parce que le cours il est en visio, on va vous donner une formule. Alors ensuite, il y a une autre formule que je suis obligé de vous donner aujourd'hui et que l'on n'a pas vu ensemble jusqu'à présent. C'est la formule suivante. C'est que lorsque vous avez... Bon, mais de toute façon, on est quand même en bac plus 1, donc vous avez fait la terminale, on ne va pas le répéter. C'est vrai que j'aime bien être indépendant de tout ce que vous avez vu auparavant, mais néanmoins, ça veut dire inconsciemment, je vous demande de le connaître. Donc, intégrale de f de x dx, nous dit le cours sur les primitives, c'est que d'abord 1, ça va se noter avec ce qu'on appelle la notation crochet d'intégration. C'est le crochet d'intégration de grand F de x, notez que ici grand F c'est la primitive, mais on vous donne ensuite la manière que l'on a de calculer cette chose-là, ça fait grand F de b moins grand F de a. Ça veut dire la soustraction, une vulgaire soustraction de primitive, évaluée en b d'une part et évaluée en a d'autre part. Donc avec tout ça, on va commencer à travailler. Alors là, il va falloir jongler. Pour l'instant, je vous ai dit, les mathématiques, il y a une grosse partie qui est, si vous comprenez, on travaille par substitution, on remplace. Il y a 50% du travail qui n'est en fait qu'un jeu de remplacement. Si vous arrivez à entendre ce que je dis et à l'appliquer, ben vous avez 50% des choses que c'est bidon. Donc ici, lorsqu'on vous demande entre 0 et 10, ça veut dire en français, on remplace tous les A par 0, tous les B par 10, etc., etc. Je vais aller vite, ça va être f de 10 moins f de 0. En fait, c'est ce qu'on vous demande. L'intégrale de 0 à 10 de petit f, d'après tout ce que j'ai raconté plus haut, vous le voyez sur mon YouTube là-bas, ça fait grand f de b moins grand f de a, ça veut dire en langue française, grand f de 10 moins grand f de 0. Et grand f est écrit juste devant vos yeux. Grand f est écrit juste devant vos yeux. Donc maintenant, il va falloir rassembler tout le monde à la même table, hein, c'est ça tout le truc. On va rassembler tout le monde à la même table. Alors on y va ensemble, j'ai oublié d'aller un peu vite, ça ne vous dérange pas, sinon on poursuivra la semaine prochaine. F de 10, on y va ensemble, 10 fois 0, 6. 10 fois 0, 6, ça va faire 6. Ça va faire 6. Donc ça fait moins 2000. Sur 6, je ne vais pas t'oublier Marie, ne t'inquiète pas, moins 2000 sur 6 exponentielle de moins 6, puisque 10, je dois calculer f de 10, calculer f de 10, ça nécessite de remplacer x par 10, 10 fois 0, 6, ça fait 6, avec un signe moins, ça fait moins 6, 20 fois 10, comment ça fait 20 fois 10, 20 fois 10, ça fait 200, très bien. Ensuite, f en 0, l'exponentielle de 0, ça fait combien l'exponentielle de 0? Là, ça par contre, c'est le vrai exercice, c'est pour ça que je l'ai pris, là c'est de la vraie révision d'exponentielle. Exponentielle de 0, ça fait 1, et vous avez moins 2000 sur 6, donc moins par moins, ça fait plus, et ici vous avez plus 2000 sur 6. Faites attention, je répète, exponentielle de 0, ça fait 1,
1 fois 2000, ça fait 2000. 2000 sur 6, ça fait 2000 sur 6. Avec un signe moins, ça fait moins 2000 sur 6. Et vous devez écrire, vous mettez ce moins en gras, s'il vous plaît. Moins, moins 2000 sur 6, ça fait plus 2000 sur 6. Enfin, le dernier terme, 20 fois 0, ça fait 0, donc j'écris rien du tout. Donc j'ai pratiquement terminé. J'ai pratiquement terminé. Et on s'arrêtera là. Ça fait 2000 sur 6. Donc le secret de la vie, c'est la factorisation. Hein. Vous connaissez le secret de la vie. Donc ici, vous avez la possibilité de factoriser 2000 sur 6 au moins sur deux termes. En vérité, on pourrait le factoriser aussi sur 200 parce que dans 200, il y a 2000. Mais on va le laisser comme ceci. Plus 200. Donc, on répète, on factorise 2000 sur 6, ici, facteur de 1, moins exponentielle de moins 6. Et vous avez le plus de 100 qui est resté tout seul. On pourrait, tu as raison, pour ceux qui l'ont envisagé, on pourrait factoriser par 200 après tout. Auquel cas, la simplification de 2000 sur 6 ne se ferait pas. Mais bon, peu importe, ce n'est pas le sujet, s'il vous plaît, aujourd'hui, de simplifier des fractions, s'il vous plaît. Ce n'est pas le sujet. En revanche, donc si vous revoyez, je vais essayer de faire ça sur une seule feuille. Ça, ce n'est que l'intégrale de 0 à 10 de cette chose-là, n'est-ce pas? C'est l'intégrale de 0 à 10 de cette chose-là. Il me reste à taper 1 divisé par 10 moins 0. Donc finalement, et on s'arrêtera là, la VM qui est un dixième de ça, s'il vous plaît, 10 moins 0, ça fait 10, 1 sur 10, ça fait un dixième, et donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 10 le résultat précédent, ça me donne 200 divisé par 6 facteur de 1 moins exponentielle de moins 6, plus 20. Voici le résultat du calcul. Alors, on l'a fait quand même avec beaucoup de temps parce que nous n'avions pas fait ensemble les primitives jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite quand même à refaire ce calcul qui est quand même un calcul technique. Bien sûr, ici, vous écoutez Marie, il y a deux manières de poursuivre la simplification. Soit le 200 sur 6 qui ferait un 100 sur 3. Ça, c'est une première simplification qui serait à faire si jamais vous voulez encore simplifier votre calcul, ou sinon peut-être vous factorisez par 20, ici nous avons la possibilité de factoriser par 20, ça va vous donner un résultat sympathique. Je ne vais pas le faire pour ne pas surcharger l'écriture, mais ce que je vous demanderai, s'il vous plaît, ça va être de refaire ce calcul. Bien sûr, à l'aide du formulaire, ça veut dire à l'aide du tableau vert dans un premier temps, et si vous êtes courageux, de refaire ce calcul sans le tableau vert, ça veut dire de reproduire sur votre papier de brouillon le tableau des quatre lignes vertes qui nous ont permis d'aboutir à cette primitive en passant justement par une forte connaissance de la dérivée. Voilà. On va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que toutes les bandes images sont disponibles sur YouTube pour ceux qui n'ont pas assisté au cours ou ceux qui veulent le revoir. Elles ne sont pas effacées. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.